C'est parti, mesdames et messieurs, bonjour. Découverte de la nouvelle map. C'est parti. Allez, go, go, go. On y va. Oh là 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 là. Allez, c'est bon. Let's go, c'est parti. Ça a l'air immense. Ça a l'air immense. 1 giga pour faire la mise à jour. C'est que je pense qu'on a quand même une map assez badass, hein. Peut-être une map de duo ou de trio, il y aura peut-être des lags en vrai. On verra. Alors pour l'instant, nous sommes sur Gerald Bone. On va prendre... J'ai pas pris de crucifix. Oh mais j'ai oublié d'équiper, je suis con. On va, je vais prendre une lumière comme ça. Pour l'instant, je vais prendre que ça. Okay. Alors, on commence à l'extérieur. Très bien. Ok, petit tour du propriétaire extérieur. Donc on a... une map assez grande vue de dehors avec une statue à qui on a coupé le zizi et la tête. Ah non, pardon, autant pour moi, c'est une demoiselle. Alors par contre, les lumières allumées, ça fait flipper. Donc ça, c'est la devanture de l'asile. Incroyable, c'est stylé. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mesdames et messieurs, bienvenue. Attends. Oula, attends, dès le début, il y a un truc à faire là? Merci mec, ça fait super plaisir de claquer ton prime pour ma chaîne aujourd'hui. Encore un de plus pour venir la soutenir. J'ai trop de chance que tu choisisses cette chaîne-ci. J'aurais pu faire un couple qui dure super longtemps, mais je trouve qu'avec le live c'est super chiant. Merci à toi d'être au rendez-vous. Bordel de merde, la commu, vous êtes des fous. Merci infiniment Choupi, troisième mois d'abonnement, merci beaucoup. Ça fait monter de 500 XP la barre. Merci infiniment BG, merci à toi. C'est gentil. Ok, so let's go my boy. Is there also a new house? Yes, 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 Prosta. Yes, yes, it's a new map. It's a new map. It's ready on the old server now. Now, if you want. If you play on the computer, you have a mise à jour. You have the mise à jour. Alors là, c'est l'extérieur. Alors apparemment, on rentrerait par un autre endroit. C'est quoi ça? Parce que la porte d'entrée est bloquée. Non. No way. J'ai ramassé une pince. Waouh. Ils ont dû mettre tellement de secrets. Pas de spoil si vous... ceux qui ont DL le jeu, ok? Ou qui sont en train de le faire. Pour les autres, eh ben profitez. Ok, on a trouvé une pince. Nice. Nice, 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 nice. It streams only in French, by the way. Yes, it's French. But if you want, speak English, it's okay. But I not a lot of vocabulary, sorry. If you have a small question, it's okay. Après le chat, si vous répondez en anglais, let's go, quoi. Attends, on passe par là? Oh, oh thanks, Narawi. It's okay, dude, it's okay. Oh my god. Ouh, l'ambiance, just wanted to check a new... Yes, it's okay, it's okay. It's okay, stay here, it's okay, dude. It's the first time, now, it's the first time. I'm go inside, now. The ghost, it's easy mode, because I need just watching. Il fait tellement sombre, gros. Il fait tellement noir dedans. Oh, ça a l'air gigantesque. Oh my god. It's so very big. Oh my god. Salle de classe, petit bureau. Ok. Fuck you.
My god. Hello. C'est gigantesque. Ouah, c'est travaillé, hein. Ah, c'est joli, hein. C'est beau. Ah, c'est joli. Ok, ok, it's ok, it's ok, dude, it's ok. Je crois que j'ai trouvé le fantôme. Oh my god. Ok, on pourra pas loop ici. Là, on peut pas loop. Attends, y'a encore une porte là. Les toilettes. Oh! Oh my god! C'est pas des toilettes. Bon, on sait qu'il est à droite, ok? Et avec qui? Oh là là, c'est stylé! Du coup, on doit commencer derrière la maison. We start behind the house. So really good. Y'a pas un ascenseur quand même. Non, ok. Ok, donc on a fait le côté droit, mais y'a un étage. Oh non. C'est gigantesque. Qu'est-ce que c'est que ça? No. Yes, no, no, no. Ah! C'est ça le... Ok! Ok! This is a new Easter eggs. Cette map là, elle doit être quelque part. On a un plan à faire avec des gens. Donc 3, 2, 1, 1. Et un petit corner. On retient ça en vrai. 3, 2, 1, 1. Petit corner, au cas où. Et on a ouvert la porte là, ouais. On peut pas ouvrir celle-ci? Ok. Cantine. Cantine. Là, ça s'ouvre. On arrive dans la salle. Là, ok. La cantine est fermée. On peut pas y aller. À moins que... On utilise un item, non? On l'a pas. On a ramassé une pince tout à l'heure. L'ambiance est... Waouh. Ah, c'est tout? La lumière? Michael Myers. Elle est belle la cuisine. Ok. Pour l'instant. Nice, 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 nice. Le côté gauche est un petit peu plus petit. Le côté droit est un petit peu plus grand. Et là maintenant on va aller à l'étage. Premier étage du coup. Let's go. First floor. Now. Wow. Start to right. Ok, toilettes droites du coup, qui sont les mêmes que ceux d'en dessous. Donc c'est une sorte de copier-coller de... Juste en dessous on a les mêmes. La vue d'en haut est stylée. Très jolie. Nice. Petite lumière là. Bedroom. Bedroom. It's a bedroom. Oh my god. It's not so very good bedroom. Ok, donc les chambres. L'ambiance est pesante, hein.
L'ambiance est pesante. Ok, le côté droit est très grand. On a les tarots. On n'a pas trouvé le puzzle encore. Il y a des pièces secrètes, hein. Faudrait qu'on les trouve. Dentiste ? Oh my god. Non. Je me mets pas ici, moi. Hors de question que je confie ma bouche dans un endroit comme celui-là, en fait. Oh my god. Et là, c'est quoi, là? Oh mon dieu. It's so fucking big, map. Ah. Là, il y a un secret. I think so, secret room. Open. Die. Je sais pas ce que ça va être. Mais là, à mon avis... Il y aura quelque chose. Ok. Et donc là, on redescend. Donc là, c'est fermé, je pense. Stop that, please. Et c'est sympa la salle avec le puzzle, hein. C'est la même. Une. Alors, deux. Ok, je dois démarrer du deux. Je dois faire deux, deux. Trois, trois. I can open here. Ok. Oh, le puzzle, il va me faire galérer. Oh, maman, machalin. Et en plus, je l'ai fait en plus facile, hein. En hardcore, t'imagines le temps? J'ai pas 15 minutes, hein. Je n'ai 5. J'ai 5 minutes, hein. Ok, je suis déjà passé par là. J'étais trop vite. J'ai oublié le tableau, non? J'ai dû aller trop vite. Ok. The ghost is here. Donc le top en premier, et ensuite le milieu, et le coin gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le top d'abord. Je pense que je mettrai une vidéo accélérée sur le puzzle. Ok, ça en bas. J'ai du mal à le voir. Est-ce que c'est possible qu'il soit carrément en bas? Je pense pas, en vrai. J'ai deux crucifix avec moi au cas où. Là.
Ok. I'm take the picture. Pour the developer. Je pense qu'ils vont devoir corriger un bug de travers. Je pense que l'animation du haut a fait en sorte que ça passe en dessous du mur. J'ai bien validé mon fantôme, ouais. Où est-ce qu'il est mon tableau ? C'est bizarre. En bas, c'est possible. Ah, il a ouvert là. Non. C'est pas possible qu'ils soient en bas. En bas, c'est le puzzle. Du coup, il me faut le... Il me faut le panneau. Il me faut le tableau. Trouver les tableaux, hein. Mais what the fuck? Mais où est-ce qu'il est? Quelqu'un du chat l'a volé. Rendez-moi mon tableau, s'il vous plaît. Qui l'a volé, l'a volé, l'a volé. Je te rends R. T'es voir dans la petite cabane au cas où. Alors, je pense pas qu'il spawn dans la petite cabane, mais... Mais peut-être en vrai. Je crois que la cabane c'est pour le sacrifice à la fin, non? Pas trop. Normalement il doit pas spawn dans la cabane. Hein. C'est un tableau qui spawn ici. Ok, là j'ai la pièce du fantôme, on le savait déjà. Température glaciale. Yes, I know my boy. I know, I know. Il peut y en avoir un ici aussi, des tableaux. Peut-être qu'ils sont cachés dans des coins. Hein. What the fuck? Ok, du coup YouTube, lorsque vous avez trouvé votre type de fantôme correspondant, vous devez maintenant trouver un tableau qui se trouve un peu dans la map, n'importe où, les spawns sont différents, et du coup le tableau sur lequel vous devez récupérer la pièce de puzzle ressemble à celui-ci. Voilà, ça c'est le tableau sur lequel vous devez récupérer la pièce, vous vous approchez et du coup vous récupérez la pièce. Là vous entendez un petit bruit, ça veut dire que vous avez fait la quête. Et pour continuer l'exorcisme, il faut aller du coup à la cave. Et si vous ne l'avez pas vu, let's go, je vous y emmène. Et là, petit secret sympatoche, hein, puisque nous allons avoir un super puzzle. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, je vais vous montrer comment le résoudre. Coucou YouTube, on l'a déjà fait tout à l'heure le truc. Voilà, comme ça je vais pouvoir m'en servir pour le couper. Let's go. Let's go, let's go. Bienvenue dans la cave. Hello, hello. Bienvenue. Petit clin d'œil à Dead by Daylight.
Dead by the light. Thank you so much for the game. Suzy. Laura. Annabelle. Let's go, c'est parti. Donc du coup, vous arrivez sur un puzzle comme ça. Vous avez tous connu le puzzle. Pour le résoudre, c'est très simple. Je vous donne un petit tip si vous voulez. Commencez par résoudre le haut, uniquement les trois premiers. Puis ensuite, vous viendrez faire les trois suivants. Et après, le côté gauche. Donc, c'est parti. Let's go. Résoudre le puzzle que tu mets encore 5 ans à résoudre. Non, pas du tout. Bien sûr, ceci sera coupé au montage. À bande de fils de pute. Allô ? C'est parti. Attends. C'est bon. Attends, faut que je la note là aussi. Donc là, du coup, on a résolu le puzzle en moins d'une minute. Après, j'ai tout ça, moi, putain. A few moments later. Twenty minutes later. Donc voilà, c'est une perfect run. Et donc voilà, une fois que vous avez résolu ce problème, n'hésitez pas à dire dans les commentaires combien de temps vous avez mis pour faire le puzzle. Je suis assez curieux, c'est vrai qu'il y en a qui mettent pas mal de temps, il y en a qui mettent 5 minutes, 10 minutes, voire un quart d'heure. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et je vous aiderai bien évidemment. Donc nous là, one shot, du coup, c'est parti. C'est parti pour la suite. Déjà, est-ce que t'as une montre dans les... Est-ce que t'as une montre ? Si t'as pas la montre, tu peux pas faire la game. Déjà, d'office. Si t'en as une, tu peux la faire. Sinon, tu peux pas. Ça, c'est la première étape. Ensuite, t'as des notes. Ok ? T'as une note qui est ouverte, qui t'apprend le trap mécanisme. Le trap mécanisme, c'est les dalles qui sont ici. Ok ? Les dalles qui sont ici. Sur les dalles... le schéma qui est ici, okay, le chemin qui est là, correspond à un chemin de dalle qui est ici. D'accord ? L'heure tourne. Ok ? Donc t'as 10 minutes quoi, ça tourne chaque seconde, tac tac, ça fait une minute, ça va très vite. Ok ? Tu ouvres ton journal de notes. Dans les notes, tu as la contraception du travail à faire si. The clock is between 1 and 3. Is the pattern A. Ok, donc si l'heure est entre le 1 et le 3, ça correspond au pattern A. The clock is between 3 and 5, pattern B. L'heure est entre le 3 et le 5, c'est égal au pattern B, etc, etc. Ok. En dessous, tu as la description. Pattern B. Is the mirror image of the pattern A. Ce qui veut dire que le pattern B, c'est l'image miroir du pattern A. Le pattern A, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. A. Et tu dois le lire de bas en haut. Le A qui est ici correspond à la porte qui est là-bas. Donc, si tu es sur un pattern A, tu fais 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc tu feras clic, 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 clic. Ok ?
Si t'es sur un miroir de pattern A, ton plan, tu dois le lire à l'envers. C'est-à-dire que tu dois démarrer de la quatrième, ici, et puis faire clic, 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 clic. Ok ? Voilà. Et tu passes sur les dalles. Et t'as 2 minutes pour passer. Ok ? Ok ? Faut être rapide. T'as deux minutes pour passer. C'est ok. Voilà. Et si tu veux pas t'emmerder, si tu veux une facilité pour pas réfléchir au pattern, etc., etc., je te conseille, si tu le souhaites, de choisir l'heure entre 1h et 3h. Parce que le pattern A, c'est tout simple. C'est celui qui est là et t'as pas besoin de le tourner. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu fais deuxième dalle. Et attention, hein, il faut y aller tout doucement. Parce que si tu marches là, t'es mort. Hein. Mais c'est instant. Je marche là, je suis foutu. Donc, tu marches, tu prends ta montre en main. Et tu fais clic. Clic. Hop, voilà. Et t'arrives là-bas et t'ouvres. Et t'arrives dans la salle finale. Ok ? Voilà, voilà. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Tu connais la description. Mais c'est bien que tu me l'aies demandé parce que du coup, je vais pouvoir la mettre sur YouTube, celui-là. Comme ça, tu connais le pattern, quoi. Ok ? Donc là, moi, j'arrive. Il va être 9h. En vrai, 9h, on a quoi ? On est entre 10 et 12. C'est le pattern E. Merci beaucoup. Et faut avant les fusibles ? Non, après. Les fusibles, le scotch et le scalpel se trouvent après. Donc, grosso modo, il faut que tu fasses ton parcours, que tu rentres dedans, que tu ouvres la porte et que tu retournes en arrière, quoi. Pour déclencher la suite. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, là, on a fait le pattern A, ok ? Entre 1h et 2h. Donc là, on a 1 minute 30, il reste 35 secondes à peu près. Tu ne peux pas faire le chemin retour, il faut attendre que les 2 minutes soient passées, quoi. Hop, tu lis la note, tu mets un coup de courant si tu veux. Voilà, et là ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Puisque on a besoin de trouver, messieurs, dames, les fusibles. Et là normalement on peut passer, hein. Alors attends, j'ai fait quoi ? Clac, 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 clac. Nice, let's go. Donc là, on va chercher les fusibles. Top left, top right. On y va. C'est parti. Alors après, la question, c'est est-ce que je dois réattendre l'heure pour passer? Ou alors, je peux passer comme ça? Et ça, faudra que je fasse un test en vrai. Oh, c'est ça. J'ai trouvé le scotch. Il faut trouver maintenant un scalpel. Probablement chez le dentiste. Bingo. Scalpel chez le dentiste. Et ensuite, les deux fusibles. Ah, je les prends. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, pattern de 3, 4, droite et en face. Let's go. On a récupéré les deux fusibles avec le scotch. Alors attends, il faut peut-être les mettre ici. Ok, ça a été mis. Il n'y a rien à brancher là.
Et du coup, let's go. Oh, ça va pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai du scotch. Je dois probablement brancher un truc. Il y a sûrement un truc de scotch à faire. You know the passenger is supposed to go to the train. Find the two fusibles inside the hospital and put them in the fusible box, and then fix the broken wires with the electric trope and place the casper on the chair. Lastly, there is a layer. J'ai placé le couteau sur la truc, la chair. Place the scalpel on the chair. Then fix the broken wires. W I R E, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? W I R E. Qu'est-ce que c'est W I R E? Fil de fer. Fixer le fil de fer avec du scotch. Le fil de fer. Là, il y a un trou. C'est fait. Là, il y avait un trou ici, là. Ok. Mesdames et messieurs, la mission réussie. Mais c'est quoi? Attends. Est-ce que il faut faire tous les fils? Il y a un bug dans la matrice là. Putain, on l'a fini hein. Mais ce petit câble de fibre. Ah. D'accord, le petit câble de fer. Le tout petit câble de fer. C'est celui-là. Et là, normalement, on est bon. Frère, il y a un moment donné, j'ai mis le couteau, j'ai mis le scotch, j'ai réparé ton câble, j'ai mis les deux fusibles. Qu'est-ce qui manque? En fait, il y a deux fusibles. Attends, faut pas regarder le câble aussi fin que ça, si? Là. Et là. Bah. C'est quoi ce délire? Putain, mais tout est... perfectionné. Last with levier on the wall that active energy system. I hate you, Telan. Bah écoute.
On a vu une main. À droite du levier. Ouais, mais là c'est la main. Je peux t'aider? Attends. Attends avant de m'aider, si jamais il bouffe mon crucifix, peut-être que. Mais attendez, chat. Attendez. Le scotch est fait. Attendez, le scotch est fait. Le scalpel est fait. Le fil de fer, c'est celui-là. Est-ce que... Pourtant, je l'ai bien fait, non? Est-ce qu'il manquerait un... Ah, ici, là, non? Putain, celui-là, il manquait. Ok. Let's go!